osali no lokote otoki no kutute na pete kaka bongo yo beba pesa yo. Ouais, on m'a forcé à faire cette choré, j'y suis pour rien, autant pour moi. Trois duels aujourd'hui pour ces huitièmes de finale. Toujours les mêmes choses, toujours les mêmes règles, toujours les mêmes lots à gagner avec le finaliste qui remporte du maté offert par Matéador officiel, le vainqueur qui remporte un tableau retraçant son parcours par Ayam Kamala Hill et des chaussettes à gagner pour un abonné grâce à MC Protech. Troisième et dernier duel du jour, Marcus Thuram affronte Mathieu Jalibert pour une place en quart de finale. On y va. Une seule réponse, le plus rapidement possible. Soit tu sais, soit tu sais pas, et on passe à la question suivante. 15 questions toujours, une seule place pour les quarts de finale. Marcus Thuram face à Mathieu Jalibert, c'est parti. Première question. Quel est le nom de la bourse de New York? Wall Street. 1-0 pour Marcus. Bouge pas. C'est moi qui dors là en fait. C'est toi qui dors. 1-0 pour Marcus. À deux ans près. À deux ans près. Quelle est l'année de création d'Adidas? 1876. Non. Mathieu, rapidement. 1950. 1949. Un partout. Mais il est sponsor, c'est normal. Mathieu, est-ce que tu peux montrer autour de toi? Quoi? J'ai dit les sponsors. Oui, mais moi, je demande s'il peut montrer autour de lui. Comme il y a eu des suspicions. Je suis tout seul. Je vais pas sortir 1950 en deux secondes comme ça. Troisième question. C'est vrai. Et toi, tu me prends trop pour un... Ah non, mais je, comme il y a eu des suspicions, on préfère vérifier. Un partout, messieurs. Troisième question. De quel pays vient une voiture qui porte sur sa plaque d'immatriculation, pardon, la lettre D? Danemark. T'as dit quoi? Danemark? Non. Marcus, rapidement. Allemagne. Absolument. 2-1 pour Marcus. C'est quoi la marque? Non, le D. J'ai dit de quel pays vient une voiture qui porte la lettre D sur sa plaque d'immatriculation. Ah. Tu as bon quand même, 2-1. Dans le célèbre dessin animé, de quelle couleur sont les Simpsons? Jaune. En même temps. Arrête. Mais en même temps, mais largement. 2-1 pour Marcus. Mathieu, rien n'est fait, il reste énormément de questions. Comment s'appelle le cri du cheval? Rapidement. Personne ne sait, on passe à la question suivante. Attends. C'était le hennissement. Ah putain, je voulais dire le NSI. Ça c'est un autre délire. Quelle est la capitale de l'Australie? Melbourne. Non. Mathieu, combien? Comment? T'as dit Sydney? Non, pas Sydney, je veux dire. C'était... Il a dit Sydney. C'était Canberra. Canberra, ouais. Il y a toujours 2-1 pour Marcus. Combien y a-t-il de signes astrologiques chinois? 13. Non, Marcus. Rapidement. 15. 12. Putain, j'étais pas loin, ça va. C'est pas loin, Mathieu. Huitième question. Tu peux me l'accorder, celui-là. Oh non. Qu'appelle-t-on le 9e art? Le cinéma. Non. Mathieu, rapidement. La gastronomie. Non, la bande dessinée. Il va être long. C'est serré, mais Marcus est toujours devant. Quel est le prénom de MC Solar? Personne. Claude. Comment? Claude. 3-1 pour Marcus. Non, je l'ai pas sûr. Dixième question. Dans quelle ville Jeanne d'Arc fut-elle brûlée vive? Je regarde où, Marcus, là? Attends. Rouen. 4-1. Marcus, montre autour de toi, Marcus. Regarde.
Là, il n'y a personne. 4-1 pour Marcus. J'ai vu le film. 4-1 pour Marcus. Il reste combien de questions? Il reste 5 questions. De quel fruit la boscope est-elle une variété? La quoi? La boscope. C'est Adam et Eve, ça. Pomme. 5-1 pour Marcus. Fin. C'est fini. 5-1 pour Marcus. Je peux juste... Non, il peut revenir à égalité, mais il faut qu'il marque tous les points. Vas-y. 12e question, Mathieu. Écoute bien. Dans quel océan se situe Hawaï? Pacifique. Oui, 5-2. Il peut revenir. Rapidité, messieurs. Combien de bosses a un chameau? Deux. C'est gagné pour Marcus. Merci. Arrête, c'est en même temps. Ah non, bah, non, là, non, largement devant. Largement devant, Mathieu. Regarde la vidéo de tout à l'heure, je le dis en même temps, c'est exactement pareil. On regardera. On regardera. Merci pour Mathieu. Ça me fait plaisir d'accéder en quart de finale. C'est beau, hein? Je pouvais pas perdre pour chèque. Et voilà, et à bientôt. Mathieu, merci. Merci à toi. On se dit à bientôt, les gars. Bonne soirée.